événement, qui est un événement spécial à la Friche Babcock, qui célèbre une fin, mais aussi un début, celui de la fabrique des cultures. Alors une fin, pourquoi? Parce que la Friche Babcock va prendre un nouveau visage. L'usine, son histoire, va être préservée et amenée dans une autre modernité. Aujourd'hui, on la célèbre en invitant des intervenants de la Courneuve à venir célébrer ce territoire et les personnes qui habitent ce territoire en offrant des activités diverses telles que le roller, la danse hip-hop, le jonglage, la musique. Projet la fabrique des cultures ici sur ce site des usines, des anciennes usines Babcock à La Courneuve, témoigne du passé industriel de la Seine-Saint-Denis, mais aussi de la capacité que ce patrimoine que nous avons conservé eh bien, puisse aussi être le symbole du renouveau, du renouvellement urbain pour en faire un vrai quartier d'avenir, pour tourner autour de la jeunesse, tourner autour de la culture hip-hop. Et donc aujourd'hui, avec de très nombreux acteurs du territoire, eh bien, il y avait des battles de danse, des fanfares, du food street, de la restauration, des œuvres d'art créées à l'occasion. Et donc je crois que ça fait la fierté aussi à la fois des habitants de toujours, mais aussi de ceux qui choisissent de s'installer ici. Et je vis à La Courneuve depuis un an. Oui, on est venu voir ce qui va se passer dans le futur de La Courneuve. Donc on attend ça avec impatience et là on a pu voir l'entrepôt de Babcock vidé et rempli d'œuvres d'artistes et c'est assez impressionnant déjà de rentrer dans cet entrepôt vide parce que ça fait vraiment un effet cathédrale et on a vraiment apprécié le moment, on a amené des amis de Paris et je pense qu'on les a convaincus de venir vivre à La Courneuve.